Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo On ne chasse pas sur... encore. D'accord. J'aimerais l'entendre de la bouche de quelqu'un qui était sur place. Sur Les Kingdom Coumans Come ont attaqué Deliverance. Scalis et tous ceux qui n'ont pas fui. C'est ce que tout le monde dit. Je veux des détails. Est-ce vraiment nécessaire, monsieur? On contredit encore la noblesse, hein? Tu es du genre rebelle, on dirait. Non, monseigneur, pas du tout. C'est juste que... Il m'est difficile d'en parler. Je vois. Je vais donc devoir te saouler d'abord. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Non, il Eh regarde de bien, mon c'est ce que nous côté. verrons. Trop bien. Il y a un charmant endroit juste au nord. Nous y camperons et tu pourras tout me raconter. Comme vous voulez, monsieur. Et ne lambine pas. Tâchons d'y être avant le coucher du soleil. Bien, monsieur. Ça, c'est les fameux voyages rapides auxquels je n'ai accès que via certaines missions qui permettent de réduire le temps de trajet. Donc, il va me falloir un cheval qui court vite pour que les temps de trajet soient le plus réduits possible. Et on peut aller vraiment très très vite sur la carte, traverser la carte en quelques minutes avec un cheval très rapide, en empruntant des chemins faciles et en étant un bon cavalier. Alors, nous y voilà. Je crois que dans le coffre, il y a... Oh, la viande séchée, c'est bon. 37 de puissance. On va prendre les flèches de chasse. Ah, je ferais mieux de prendre cet arc-là. Épée de chasseur. Elle est mieux que la mienne, épée fiable. Je pense que je peux plus facilement la manier. Voilà, donc... Est-ce qu'on laisse le chapeau là? Pèse combien le chapeau? 1, non. On va laisser ça. Un flambeau sur deux. Les flèches de ce tournoi à voler. Et on n'est plus trop lourd. Parfait. Apportez à Capon du vin et du lard de sa sacoche. Tenez, mon bon seigneur. Ça arrive, monseigneur. Ah, pas trop tôt. Alors, ça te plaît la chasse? Oui, même si nous n'avons pas encore vraiment chassé. Ce n'est pas important. La chasse n'est qu'un prétexte pour quitter Rathay pendant un moment. Entendre Anouche faire la morale toute la journée rendrait fou n'importe qui. Pourquoi c'est Anouche qui s'occupe de vous au juste? Pour commencer, il ne s'occupe pas de moi. Je ne suis pas un bébé, forgeron. Anouche ne fait que gérer mon patrimoine jusqu'à ce que je sois adulte. C'est prévu pour quand? Qu'est-ce que tu insinues? Rien du tout. Ce que je voulais dire, c'est que vous me semblez déjà adulte, monseigneur. Ma foi, c'est difficile à dire. Avant sa mort, mon père a désigné un conseil de nobles pour statuer sur la question. Sauf qu'ils ne vont pas prendre la peine de parcourir la moitié du pays pour étudier le cas d'un jouvenceau. En temps normal, ce ne serait pas nécessaire. C'est le roi qui déciderait de ma maturité. Sauf que... Le roi n'est plus là. Tout juste. Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on chasser? va chasser? Des coumans. Quoi? Hein? Des coumans? Mais... Il me fait une blague comme ça. Bien, mais j'aimerais au moins ramener un sanglier. Et pourquoi pas quelques lièvres? Et toi alors? Avant tu étais muet comme une tombe. Et voilà que ta langue se délie. Parle-moi donc de Scalis. Il paraît que Sigismond avait une centaine d'étendards là-bas. Je ne sais pas, monseigneur. Je n'ai pas eu le temps de les compter.
Mes deux parents se sont fait assassiner à Scalis, sous mes yeux. Les Koumans ont massacré mes amis et mes voisins, et c'est un miracle que je m'en sois sorti. Je ne sais pas quoi ajouter. J'en suis navré. Mais dis-moi, j'ai entendu à la taverne que... Que Sigismond chevauchait un dragon? Que les Koumans ont des cornes et des sabots? Désolé, monseigneur, mais Scalis n'est pas un récit d'aventure à narrer autour d'une chope de bière. D'accord. Je comprends. Bref, peu importe. Il est trop tard pour prendre la route aujourd'hui. Mais demain, nous partons à l'aube. Compris? Oui, monsieur. On a fait tout le trajet pour... Eh bah... J'avais encore plein d'énergie, moi. Alors, on va faire autrement. Oula. Ouais. Si jamais il est trop tard pour chasser, on va passer le temps jusqu'à 7h et on va dormir le reste du temps. Parce que là, en patientant, je perds de l'énergie. Et si je peux être à 100 d'énergie au moment où il me réveillera, enfin au moment où ce sera l'aube, c'est mieux. N'est-il pas ? Alors j'ai faim, mangeons un peu. Il y a toujours des marmites pleines dans les forêts, c'est assez incroyable. Alors comme ça en plus on aura sauvegardé après avoir patienté. Donc on va dormir jusqu'à 10h. Il va probablement me réveiller avant, mais il est vraiment casse-pied sur les horaires de réveil, donc... Voilà, il me réveille à l'heure qu'il veut, comme ça. Qu'est-ce que tu attends? Ton seigneur a besoin de toi pour la chasse. Bien, monseigneur. Oh, vraiment? Un chasseur aussi renommé a besoin d'aide? Tu n'oserais quand même pas te moquer d'un supérieur? Dieu m'en garde, votre seigneurie. Tu l'auras voulu, paysan. Retrouvons-nous ici à midi. Celui qui rapporte le plus de lièvres a gagné. Oh, et si tu n'as rien pour tirer, il y a une caisse au campement avec du vieil équipement de chasse. Tu peux le prendre. Ce ne serait pas loyal de battre à plate couture un pauvre diable sans la moindre chance. Tout à fait, seigneur Capon. Ce sourire ne va pas tarder à disparaître de ta tête de pouilleux. À présent, tourne-toi. Je connais certains coins qui ont fait leur preuve dans ces bois. Et je ne voudrais pas que tu me les voles. Où sont les lapins? Oh non, je suis trop lourd. Et j'ai faim, je peux manger sinon. Ça pèse pas lourd ça. On va jeter le vin. Non, le chapeau, je l'aime vraiment bien. Ah, par contre, on va au moins enlever ça. Je pourrais jeter le bouclier, mais bon. Ah. J'avais oublié ça. Je sais pas lire. À quoi ça sert d'acheter des livres maintenant? Oh. What? Ah, ça va pas le faire là. Ah mais j'avais les capacités, mais c'est parce que j'ai dormi. Ah mais donc je peux pas chasser là.
à cause de ce désavantage qui me pourrit la vie. En plus, je peux pas courir. Je peux vraiment rien faire, hein. Viens ici, petit lièvre. Ah, je peux pas courir, c'est trop dur. Je vais attendre, je vois pas comment faire autrement. Avec le moins 2 que j'ai. Ah, peut-être que maintenant je peux chasser. Alors ce qui m'embête c'est que je suis mauvais à l'arc et en plus il faut que je me mette super loin des lapins. Il y en a un autre là? Ah oui. Alors ne chassons pas deux lièvres à la fois ou je n'en attraperai aucun. Alors lui en théorie il est facile à la... Oh trop bien. En plus j'ai des flèches de longue distance, hein. Et voilà l'autre lièvre. Par contre, je suis très mauvais à l'arc. Enfin, je veux dire mes compétences dans le jeu. Et mon incroyable talent que j'ai acquis dans les autres parties ne me suffit pas forcément. Mais quand même, c'est quand même beaucoup plus simple quand on sait bien chasser de s'en sortir. Alors, j'ai eu 2 lièvres. Mais je peux même pas prendre la nourriture parce que sinon je serais trop lourd. Oh, en voilà un autre. Alors pour chasser au début, il faut vous mettre sur le côté vraiment. Face au lièvre ou dos au lièvre, vous aurez beaucoup moins de surface de touche. Hop. Reprenons certaines flèches. Celles que je trouve en fait. Bon, tant pis pour l'autre flèche. Je sais pas quand est-ce que ce sera l'heure de revenir. Et comment il va savoir combien de lièvres j'ai tué? Est-ce qu'il faut que je prenne la viande pour attester que j'en ai tué pas mal? Oh. J'aimerais tuer un gros bestiau. Reviens! Oh, mange, parfait. Ah!
Oh. Oh lol! Elle a une flèche dans le derrière. Wow! Po po po! J'ai eu ma première biche. Alors que j'avais des malus et un niveau d'arc tout pourri. On va prendre mule. C'est trop bien mule. J'ai gagné un niveau en arc. Ah, j'étais niveau 0, maintenant je suis niveau 1. D'accord. Pas de problème. Par contre, les autres cerfs, ils ont disparu. Et mon but, c'était avant tout de trouver des lièvres. Oh. Salut, petit. Bouge pas surtout. D'accord. Ah, il m'a vu. Je me suis trop approché. Ah, j'ai plus de flèches. Prenons les flèches de chasse améliorées. Hop. Je sais pas quand est-ce que ce sera l'heure de rentrer faire le compte de nos prises. On peut regarder quelle heure il est. Il est 10h30, grosso modo. Ah, j'ai fait un mangeon. Oh, dessert. Je me dis que je monterai plus de niveau en tuant un cerf que une autre bestiole. Un lapin aussi. Revenez.
Oh non. Je bouge pas pour éviter de la faire bouger. Ah, comment ça, elle est pas morte? Hop. Ah, faut tirer dans le derrière pour la tuer. Je comprends pas du tout. Ah, et l'autre n'a pas filé bien loin. Ou pas. Flèche de longue distance. Maintenant, là, elle m'a vu. Ah. Allez, viens vers moi. Non, t'en vas pas. Ah, c'est sa broute. Oui! Donc je pense que je lui ai mis deux flèches. Ouais. La toute première était passée aussi. Bah voilà, chouette ces lièvres. Je suis tombé sur des gros lièvres. Hein. Et je suis un peu perdu. J'espère que c'est par là-bas. On va voir, hein. On va voir. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je ne me trompe pas. Oh. Un petit lièvre sur le chemin. Les lièvres sont plus petits. Alors ils sont pas forcément plus faciles à tuer. Mais ils se laissent approcher de beaucoup plus près. Ouais, c'est trop chaud là-bas. Non, bon, il est trop loin. On fera 100. Tant pis si je perds. Le pire, c'est vraiment les chevreuils. Parce que les chevreuils, ils galopent. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est là, je crois. Aurais-je retrouvé mon chemin? Il est pas encore là, je serais partant pour l'attendre. Alors, bah, il est là. Alors, cette partie de chasse, monseigneur, avons-nous assez de lièvres? Fais voir. On dirait qu'on est aussi mauvais l'un que l'autre. Et maintenant, suis-moi. Allons chasser du vrai gibier. Il aurait fallu que je garde de la viande. Ah, c'est dommage. C'est fort dommage. En selle. Très bien. Le gros gibier, ce sera pour l'épisode. Ah, je peux pas manger. Ce sera pour l'épisode suivant, Monsieur, Monseigneur Hans Capon.
Le farceur. J'espère que c'est pas des coups, hein, votre plus gros gibier, hein. Allez, à bientôt.